Oui, mon amour. On n'est pas bien là tous les deux ensemble. Si. Tu sais que c'est un vrai bonheur, mon cœur, de me réveiller tous les matins à côté de toi. Je m'emmerde. Pardon ? Je m'emmerde, gars, je me fais chier. Tous les soirs, c'est pareil. On se couche, on baise, bon, ça limite, c'est cool, et puis on fait plus rien, quoi. Je comprends pas trop. Mais quoi, tu comprends pas? Moi j'ai envie de folie, j'ai envie de... Tu vois ce que je veux dire? Comment ils disent les jeunes encore? Ils veulent se... Ta gueule, ta vieille! Ils sont enjaillés! Je vais m'enjailler! Je vais m'évader, putain! Bah vas-y, passe ton permis! Mais c'est quoi le rapport? Bon, qu'est-ce que tu veux là? Je vais une bière! Je vais une putain de bière maintenant! Il est 10h30! Mais ta gueule, il est 10h30! Donne le meilleur, c'est l'apéro! Je veux une bière! Hein? Je veux qu'on nage dans une piscine de capote aromatisée! Je veux que ma bite soit une vraie corbeille de fruits, gars, tu comprends? Tu vois les capotes durex là? Les XXL qu'on prenait avant qu'on devienne un vieux couple! Les XXL? Oui, car j'ai une énorme bite! C'est le goût banane là! J'avais une bite de vegan! Je veux du cul en smoothie, Gaël! 5 fruits et légumes par jour, tu comprends? Et pas dans ton shaker, hein! Les capotes! Je parle de ton cul! Jimmy, tu vas juste profiter du moment présent là! Ouais. Non, mais c'est pas du tout à toi que je parle en fait. Ah, pardon. Bon, autant pour moi. Ciao, allez, au revoir. Donc, je disais, tu peux pas tout simplement profiter un petit peu là du moment présent là, ce truc qu'on partage entre toi et moi là. Qu'est-ce que tu fais chier? Je profite du moment présent, merde hein. D'ailleurs, je veux qu'on bouge hein. Je veux m'éclater à nausea. Quoi? À nausea, c'est du latin. Ça veut dire jusqu'à la nausée. Et depuis quand tu parles latin, s'il te plaît? Prude. Mais j'ai toujours parlé latin, Gaël. Mon grand-père s'appelait Imodium. Je mange latin, je vis latin, je baisse comme un latin. Comme un lapin. Ouais, c'est pareil. Je suis César du cul, Gaël. L'empereur du Rhum et de la Grosse Gaule. Le sexe, l'alcool et le rock'n'roll. Je le dis que pour ça. Tu comprends? Tu m'exaspères, Jimmy. Vraiment, tu me fatigues. On n'arrête pas de bouger. Entre les tournages, les barbecues chez les potes, Bruxelles, Paris, Paris, Bruxelles. Et laisse-moi te rappeler qu'on revient de vacances, Jimmy. On revient de Mykonos. Calm down! Calm down? Mais toi, calm down, ouais? Ça va être l'été, Gaël. Les festivals, le soleil, la techno, les femmes. Laisse-moi te rappeler que t'en as déjà une de femme et t'es sérieusement en train de la saouler, mon ami. Il est hyper bon, ce vin. C'est un Alsacien? Tu sais ce qu'il y a en Andrés, Gaël? Non. Il y a dur. L'été, je suis dur. Je suis tout le temps dur, Gaël. Tu sais ce qu'on entend aussi? Rex. Non, ex. Hein? Et crois-moi, mon ami, écoute-moi bien. Si tu continues à me casser les couilles comme t'es en train de le faire, c'est la dernière syllabe que tu retiendras de moi. T'as bien compris? Des menaces. Tu me gueules dans l'oreille en plus. Des menaces. Toujours des menaces. Je t'aime. Moi aussi. Ok, donc là, on est apparemment dans une chambre à coucher. C'est assez space parce qu'on dirait que le temps s'est arrêté. Il y a même encore les draps de lit qui sont là. Putain, il y a vraiment une drôle d'ambiance, quoi. Excusez-moi, on peut vous aider? Les gars, j'ai mes frissons. Hein. Je suis sur un truc, c'est hyper space. Allez, hop. Gaël, je te connais par cœur, ton corps, tes pieds là, tout dégueulasse. Je sais même plus ce que je baise, moi. Tu sais même plus ce que tu baises? Non. Tu sais même plus ce que tu baises? Mais tu sais quoi? T'es vraiment qu'une grosse merde, Jimmy. Oui. Non mais putain, j'hallucine, c'est pas à toi que je parle, c'est à l'autre, Jimmy. Ah mais c'est parce qu'en fait, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je me suis dit que tu as peut-être... C'est vrai? Ça va. Du coup, j'y vais. Ouais. Ciao. Tu sais, mon amour, tu serais pas forcément plus heureux avec une autre meuf. Enfin, elles sont toutes des putes, de toute façon. Franchement, on sait pas. On ne sait pas, Gaël, on sait pas. On sait pas. Elle a pas tort. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Oh, putain! En cette nuit noire de mon existence, mon âme a la couleur du désespoir. J'aurais beau réduire la distance, mes seins n'en resteront pas moins de poids. T'as déjà essayé la nécrophilie? Oh putain! Quoi? Rien! Non mais toi aussi tu m'emmerdes, hein, Jimmy. Oui. Non mais c'est pas à toi que je parle, bordel! Putain, j'hallucine, ça l'autre, Jimmy! Celui-là qui pue des pieds, qui a pas d'abdos! T'es gentil. Toi aussi tu m'emmerdes, figure-toi. Toi là, et ta petite bite qui frétille et tes poils pubiens. Tu sais quoi, Jimmy? Bah je te le dis, ça y est, cache. Ils sont roux! Roux! Ils sont blonds vénitiens, putain! Roux, je te dis! Roux! Tu sais ce qu'il y a dans roux? Non. Juste roux. Tu me sors par tous les orifices. Toi et ta putain de bite en gambasse là, que t'arrêtes pas de me foutre en bouche, alors que Jimmy, tu sais pertinemment que je déteste le poisson. C'est un manque de respect. Peut-être que moi aussi, Jimmy, je serais plus heureuse avec un mec qui me respecte, qui gueule pas H24, ok? Coucou la petite Martine! Oh perso, je sais pas toi, mais j'ai passé une super night, quoi! Et par contre, c'est quoi cette coupe de... Franchement, c'est quoi cette coupe de moine? Tu ressembles à rien, ma belle, hein? On dirait justement... Tu sais, ça me fait penser au fromage, la chaussée aux moines. Oh,
Non, mais je veux dire, attention, hein. Est-ce qu'on en... On en... On peut en... On en... Ouais, non. Quoi? Non, rien. Mais Gaëlle, pense à tous ces gars, toutes ces meufs qui sont dans leur grand lit à puer le célibat. Et alors? Bah, ils se demandent tous comment ils vont niquer cet été. Bon, allez, j'arrive. Oh, il me saoule. Ad nauseam, corbeille de fruits. Oh. Hop là. Bonjour. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? La 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 ta 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 ta. Mais c'est marrant que tu me demandes ça. Ceci, femme, est une veste à préservatif pour tous les festivaliers belges qui sont chauds comme les braises du barbecue d'hier soir. Les chipolatas seront armés et protégés. C'est une arme de destruction massive bourrée de cartouches à niquer. Waouh, c'est vraiment très romantique. Oh, ce que ouais. Tu peux me dire là, mon amour. Par contre, le slip, là, il y a un souci. Mais ce slip est très très beau, gars. C'est pour tous les gros paquets comme moi qui n'attendent qu'une seule chose, se faire déballer sous un rythme endiablé. Et cette veste que tu vois là, c'est pour rappeler à tout le monde qu'avant de maçonner, il faut porter des gants. Mon grand-père était maçon d'ailleurs, en 63, après la guerre de Corée. Il discutait au bord du lac de l'Odeur avec Chantal Goya et son amie Edith Piaf, la fameuse cuisinière. Il lui a dit cette phrase: ne me rends pas aussi pute que je suis. Jacques Dutronc lui a répondu par téléphone, SMS, iMessage à l'époque: je ne pourrai pas venir cet après-midi, j'ai un concours de pêche au fameux parc de Jemappes. Oh, c'est tellement poétique ce que tu viens de dire, mon ami. Je sais, vieille femme. D'ailleurs, je pense que très prochainement, tout le monde portera ceci. J'ai toujours un coup d'avance. Dans tous les domaines. Je m'emmerde!